Bonjour. Dans le cours d'aujourd'hui, on va parler de diviser pour régner, qui est une technique assez classique de programmation, qui consiste à découper un problème en sous-problèmes et exprimer la réponse du problème principal en termes de la solution au sous-problème. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu, ce type de stratégie dans le cours précédent, puisqu'on a parlé de programmation dynamique, où on exploitait aussi le découpage de problèmes en sous-problèmes. Mais pour pouvoir appliquer la programmation dynamique, il fallait qu'on ait deux choses. Il fallait une notion de sous-structure optimale, que l'optimalité d'un problème dans son ensemble pouvait s'exprimer en termes de l'optimalité des sous-structures. Et ça, on va retrouver cette notion dans les approches divisées pour régner. Mais il fallait aussi, pour faire la programmation dynamique, qu'on puisse exploiter le fait que les sous-problèmes étaient répétés, qu'on avait plusieurs fois, par exemple dans les arbres de récursion qui permettaient de résoudre un problème, le même sous-problème qui est répété. Quand on n'a pas ça, quand on n'a pas ces répétitions de sous-problèmes, les approches à base de diviser pour régner et à base d'approches récursives vont suffire, on n'aura pas besoin d'utiliser les outils de programmation dynamique. Donc dans le cours d'aujourd'hui, on va parler de diviser pour régner, on va voir quelles approches on peut utiliser pour un certain nombre de problèmes, avoir des exemples de problèmes qui se résolvent avec ces approches. Et puis on va en détail étudier la complexité des algorithmes récursifs, des algorithmes qu'on peut écrire dans la technique de diviser pour régner, et en particulier introduire un théorème qui s'appelle le théorème maître, qui est un théorème important permettant de donner dans un grand nombre de cas la complexité d'un problème en fonction de la manière dont ce problème s'écrit de manière récursive. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de diviser pour régner? À l'origine, c'est un terme de stratégie militaire. Ça vient du latin qui est divide et impera. Et donc c'est une expression de stratégie militaire dont on sait qu'elle a été utilisée par Jules César, mais on l'attribue à Philippe II de Macédoine. Et en fait, que ce soit dans les campagnes militaires ou même en politique, cette stratégie consiste à essayer de diviser ses ennemis, quand on a plusieurs ennemis, d'essayer de les diviser en plusieurs groupes, de sorte à pouvoir attaquer chacun des groupes indépendamment. Réussir à vaincre ses ennemis de manière plus efficace que si on essaie de s'attaquer à ses ennemis dans son ensemble. Donc le principe est un peu le même, on parle de divide and conquer en anglais, dans la terminologie d'algorithmique. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va diviser un problème en sous-problèmes. Qu'on va ensuite traiter indépendamment et récursivement ces sous-problèmes. Et enfin, qu'on va fusionner les résultats des traitements individuels. Fusionner les solutions des sous-problèmes. Donc à nouveau, ça va être en fait un cas plus général que le cas qu'on a traité en programmation dynamique où on supposait en plus qu'on avait une manière d'exploiter la répétition des sous-structures. À nouveau, ce qui va être important, c'est cette histoire que les sous-structures qu'on trouve dans un problème sont optimales, que la manière optimale de résoudre un problème complet peut s'exprimer en termes des manières optimales de résoudre les sous-problèmes. Donc, en appliquant ces techniques de diviser pour régner, on va dans un certain nombre de cas être capable de diviser, enfin de réduire le temps d'exécution par rapport à des approches directes du problème, mais dans les cas où ça s'y prête bien. Ça ne va pas être toujours le cas. Alors on va voir par exemple tout à l'heure un algorithme de multiplication de matrices qu'on va exprimer avec du divisé pour régner et on s'apercevra qu'au final, cet algorithme va donner essentiellement les mêmes performances que si on avait s'était attaqué de manière directe au problème. Ok. Aujourd'hui, on va
voir plusieurs exemples. D'abord, on va commencer par des exemples de problèmes qu'on peut résoudre à base de diviser pour régner. Donc, on va en particulier revenir sur l'exemple de la recherche dichotomique dans un tableau trié, dont on a déjà pas mal parlé. Et puis, on va voir plusieurs manières d'implémenter la multiplication de matrices. Donc, on va regarder ce qu'on peut dire sur les exemples et ça va nous permettre de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Ensuite, on va faire de l'analyse de la complexité de ces différents exemples en étudiant les arbres de récursion. Et puis, dans une troisième partie, on parlera du théorème maître, donc qui est un résultat général qu'on va présenter et qu'on va également démontrer, qui permet d'analyser la complexité d'algorithmes récursifs. Ok, donc on va commencer par les exemples. Donc le premier exemple qu'on va regarder, ça va être la recherche dichotomique. Donc la recherche dichotomique, on parle de binary search en anglais. On prend en entrée un tableau de n éléments. Alors ça peut être des éléments de types différents, mais imaginez par exemple que les éléments sont des entiers. Et ce tableau, on suppose qu'il est trié. C'est-à-dire que les éléments apparaissent dans un ordre naturel. Si ce sont des entiers, les éléments apparaissent dans l'ordre naturel sur les entiers. Donc on n'a pas forcément tous les entiers qui sont entre 0 et moins 1, mais tous les entiers qui apparaissent, ils vont être dans l'ordre naturel sur les entiers. Et le problème, c'est rechercher si un élément X, alors je vais appeler le tableau T, et dans le tableau T, et puis s'il y est, trouver l'indice, trouver le n tel que T de n égale x. Pardon, je vais pas utiliser n puisque n c'est le nombre d'éléments, donc trouver le k, disons, tel que t de k égale x. Alors, comment est-ce qu'on résout ce problème? Donc on a déjà vu, on peut l'exprimer de cette manière-là. On va décrire la fonction dichotomique qui prend en entrée un tableau T, un élément x, et puis je vais mettre deux entrées supplémentaires qu'on va qui vont avoir des valeurs par défaut et qu'on va spécialiser quand on va en fait répéter les accès à la fonction dichotomique. Je vais prendre un paramètre que je vais appeler début, auquel je vais donner la valeur 0 par défaut, et un paramètre que je vais appeler fin, auquel je vais donner la valeur n-1, où n c'est la longueur du tableau, par défaut. Et en fait, je définis cette fonction dichotomique de cette manière-là, simplement pour que je puisse la rappeler en indiquant des sous-parties du tableau sur lesquelles je vais concentrer ma recherche. Alors, qu'est-ce que je fais? La première chose que je fais, c'est je regarde si le tableau a un seul élément. Donc, si début alors je peux même faire quelque chose d'un petit peu plus subtil que ça. Je vais regarder si le tableau n'a pas d'éléments. Donc si je regarde si début est supérieur à fin, dans ce cas-là, je vais dire return non trouvé.
Évidemment, si on recherche un élément x dans un tableau qui est vide, dans lequel début est strictement plus grand que fin, dans ce cas-là, il n'y a pas d'élément qui s'y trouve, évidemment. Donc sinon, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, sinon, je vais regarder le point médian, le point au milieu du tableau, que je vais appeler mid, par exemple. Et donc ça, je peux le calculer simplement en faisant début plus fin divisé par 2. Alors, dans la plupart des langages de programmation, ce sera juste écrit comme ça, parce que... je vais l'écrire avec le symbole partie entière. Parce que par défaut, l'opération se fera la division entière, mais ici je vais explicitement mentionner partie entière de début plus fin divisé par 2. Ensuite, si t de mid est égal à x, bah on a trouvé l'élément et on renvoie trouver en position x. Bon, à nouveau, ce que j'écris, c'est du pseudocode. Donc évidemment, dans un vrai langage de programmation, on ne pourrait pas renvoyer trouver en position x. Il faudrait avoir un mécanisme pour signaler si on a trouvé un élément ou pas, et ensuite renvoyer sa position. Mais peu importe. Donc ça, c'est un cas facile. Maintenant, si le milieu du tableau n'est pas l'élément x, eh bien, on va comparer l'élément qui se trouve au milieu du tableau avec l'élément x. Si t crochet mid est strictement plus grand que x, eh bien ça veut dire que l'élément qu'on cherche à trouver, oui, au passage, on va supposer que chaque élément n'apparaît qu'une seule fois dans le tableau, ou alors, on n'a pas forcément besoin de cette hypothèse, mais ou alors en tout cas, que la fonction dichotomique ne peut trouver qu'une seule des occurrences dans le tableau. Elle ne peut pas renvoyer toutes les occurrences d'un élément dans le tableau. Donc si t de mid est strictement plus grand que x, eh bien on sait que l'élément à chercher va se trouver avant mid dans le tableau. Eh bien, donc du coup, on va refaire une recherche dichotomique. Donc on va renvoyer en fait le résultat, donc return, le résultat de la recherche dichotomique sur le tableau T pour l'élément X, mais cette fois-ci, on ne va pas de 0 à n-1, on va de 0 à mid-1. Et sinon, si T de mid est inférieur à X, alors je n'ai pas vraiment besoin de mettre le test parce que c'est juste le test qui reste, eh bien, je vais refaire la recherche dichotomique dans le tableau T entre mid et entre mid plus 1, puisqu'on a déjà testé mid, et fin. Voilà. Alors, donc, de cette manière, la fonction dichotomique s'exprime de manière récursive. On va récursivement appliquer la recherche soit au premier moitié du tableau, soit au deuxième moitié du tableau, sauf si on a trouvé l'élément au milieu en le cherchant. Alors il y a plusieurs variantes dans la manière dont on a écrit ça. Là je l'ai écrit de manière récursive et ça va nous aider à exprimer la fonction récursive, mais c'est assez facile de l'écrire de manière itérative. D'ailleurs, on voit que ce qu'on a écrit, c'est essentiellement une récursion terminale. Alors on a l'impression que c'est pas une récursion terminale parce qu'il y a deux appels à dichotomie, mais en fait on pourrait regrouper ces deux appels à dichotomie juste en indiquant comment on change les paramètres début et fin. Et donc on peut réécrire facilement cette fonction, une fonction en récursion terminale, et vous savez que les fonctions en récursion terminale, on peut les réécrire de manière très aisée comme du code itératif. Donc on pourrait faire du code itératif, on pourrait aussi, là on a en fait pris un tableau de n, et puis on réapplique la fonction dichotomie à la moitié moins 1 des éléments, puisqu'on a déjà testé l'élément en mid dans la fonction principale. On pourrait changer légèrement la manière dont la fonction dichotomique est écrite pour que le test de l'élément mid, en fait, on le fasse juste tout à la fin.
Donc comment est-ce que ça changerait? Ça changerait en ici, au début de la fonction dichotomique, on a un test supplémentaire si début égale fin, pour savoir si le tableau n'a plus qu'un seul élément. Dans ce cas-là, on renvoie si l'élément est bon ou pas en le testant. Et puis, on n'aurait pas besoin de faire le test d'égalité, mais par contre, faire un test supérieur et inférieur ou égal, par exemple. Et dans ce cas-là, les bornes changeraient. On n'aurait pas de 0 à mi de moins 1 et de mi de plus 1 à fin. On aurait, par exemple, de 0 à mi et de mi de plus 1 à fin. Bon, tout ça, c'est des petites variantes dans la manière dont on peut écrire la recherche dichotomique, mais qui ne changent pas grand-chose en pratique. Maintenant, on aimerait bien discuter de la complexité de cette fonction de recherche dichotomique. Alors, j'aimerais bien exprimer ce qu'est t de n en fonction d'un t plus petit. Alors, on va commencer par faire ça de manière assez rigoureuse, et ensuite, on oubliera un petit peu la rigueur. On écrira grosso modo, comment s'exprime t de n en fonction du terme le plus simple. Alors de manière très rigoureuse, donc si alors je vais exprimer t de n et n ça va être je vais être un peu plus précis, donc ça va être la taille du tableau, mais ça va être aussi, parce que quand j'appelle récursivement, je ne change pas la taille du tableau, en revanche ce que je fais, c'est que je change les paramètres début et fin. Donc en fait, le t de n qui va m'intéresser, c'est fin, enfin le n qui va m'intéresser, c'est fin moins début plus 1. Donc fin moins début plus 1, quand on l'appelle initialement, ça vaut effectivement n, et à chaque fois qu'on l'appelle, ça compte en fait le nombre d'éléments qu'on a dans le tableau. Donc t de n, c'est quoi? Alors, on va traiter le cas de base, puisqu'il est facile à traiter. Le cas de base, c'est si début est strictement plus grand que fin. Donc, si début est strictement plus grand que fin, ça veut dire que fin est plus petit que début. Et donc, en fait, le fin moins début plus 1, ça va être quelque chose qui est inférieur ou égal à 0. Et en fait, le seul cas qui va vraiment nous intéresser, c'est le cas où on a égal à 0, puisqu'on ne va pas jamais produire les autres cas. Donc, si n est égal à 0, ça va être quoi? Bah, ça va être un grand taux de 1. Hein. L'exécution dans le cas de base, on a juste les premières lignes ici de les premières lignes qui sont ici de la fonction qui s'exécute en temps constant. Donc maintenant, on va essayer de regarder quel est le temps d'exécution pour ce qu'il reste. Bon, alors déjà, on a un grand taux de 1 parce qu'on a des tests à effectuer, on a des comparaisons à faire, etc. Il y a un cas qui est le cas mid où on va terminer tout de suite, mais ensuite, on va regarder les autres cas. Dans les autres cas, on va faire un plus un grand taux de t. Et alors maintenant, il faut déterminer ce que c'est que entre 0 et mi moins 1, combien d'éléments? Il y en a mid. Et mid, ça a été défini comme la partie entière de début plus fin sur 2. Et entre fin et mid plus 1, il y a combien d'éléments? Il y en a en fait n moins mid moins 1, puisqu'on a enlevé aussi l'élément mid. Donc là, j'ai un. En fait, je vais faire un max parce que je veux le max des deux temps sur les deux sous-parties. De t de, on a dit qu'il y avait mi d'éléments, c'est-à-dire partie entière de début plus fin sur 2. Et alors début plus fin, alors partie entière de début plus fin sur 2, on va être capable de l'exprimer avec n, puisque n c'est le nombre d'éléments et on prend l'élément qui est au milieu. Je vais écrire exactement mid. Et l'autre, je vais écrire exactement que c'est n moins mid moins 1 avec mid qui est défini comme
Partie entière de début plus fin. Sur 2. Bon, alors on voit que c'est mid, ça vaut grosso. Ah oui, non, mais j'ai fait une bêtise tout à l'heure, voilà, c'est pour ça qu'il y a un problème. Je ne vais pas entre 0 et mid-1, je vais entre début et mid-1, parce qu'on n'a pas, on n'a pas commencé forcément. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un problème. Et donc là, c'est pas mid, c'est mid moins début. Et là, c'est pas n-1, c'est n-mid plus début moins 1. Bon, grosso modo, ces deux valeurs-là, min moins début et n moins min moins 1 plus début, c'est grosso modo n sur 2. Alors c'est un petit peu moins que n sur 2, parce qu'on a pris la partie entière pour calculer le mid de début plus 1 sur 2, et parce que on a déjà éliminé l'élément mid. Mais grosso modo, c'est quelque chose qui est de l'ordre de n sur 2, on pourrait calculer exactement, ça doit valoir quelque chose comme partie entière de n sur 2 moins 1 dans un cas et quelque chose de similaire dans l'autre cas. Peu importe la valeur exacte, ça va nous encombrer si on essaie de travailler avec les valeurs exactes, de mettre les parties entières aux bons endroits, etc. Ça va être plus agréable si on fait l'hypothèse que à chaque fois qu'on a une partie entière, en fait, on peut supposer qu'on divise toujours par 2 et que ça tombe juste. C'est-à-dire que tous les nombres qu'on veut diviser par 2 sont des puissances de 2 à l'origine. Pour pas avoir ce problème de là j'enlève le moins 1 de l'élément que j'ai mis ici, je vais considérer que au lieu de d'écrire le code comme je l'ai écrit, je vais faire le split entre dans un cas je vais de début à mid et dans l'autre cas je vais de mid plus 1 à fin. Donc je divise vraiment le tableau en deux, en deux exactement. Ou dans l'autre sens, de début à une moins 1 et de mid à fin. Donc je divise vraiment le tableau en deux. Donc si je fais ces petites modifications et si je fais cette hypothèse, supposons que n est toujours une puissance de 2, donc que n est une puissance de 2. Et supposons qu'on découpe vraiment en deux. Alors il faut que je fasse les choses proprement. Pour découper vraiment en deux, je vais aller pour le coup de début à min moins 1, qu'on branche en début min moins 1 d'un côté et mid de l'autre, de sorte que on est exactement n sur 2 éléments des deux côtés. Donc si on fait ces deux hypothèses de simplification pour que le calcul tombe bien, on obtient comme formule de récurrence T de n est égal à grand O de 1 plus grand O de T de n sur 2. On a fait exactement ce qu'on voulait pour que ici on n'avait plus que le T de n sur 2 qui se promène. Si n, donc ça c'est si n est différent de 0, ce que j'avais aussi comme condition au-dessus, et sinon on a grand O de 1 si n égale 0. Alors, on a l'impression qu'on n'est pas très rigoureux en faisant cette hypothèse-là, que n est toujours une puissance de 2. L'autre hypothèse, c'est juste réécrire l'algorithme légèrement pour qu'il ait une tête un peu plus gentille. Mais en fait, vous pourrez voir, donc il y a une discussion en détail dans le livre de référence par Cormen et les autres auteurs. Vous pourrez voir une discussion rigoureuse de comment traiter le cas des parties entières qui apparaissent dans les algorithmes. Et en fait, la conclusion, c'est que ça ne fait pas de différence sur la complexité globale. Et donc on avait déjà parlé de la recherche dichotomique et on s'était dit que avec une expression récursive de cette forme-là, on aurait un T de n qui est un grand O de log
en base 2, mais j'ai jamais besoin de préciser la base et le log dans le dans un grand O, puisque c'est à constante près, de n. Puisqu'on va faire un nombre logarithmique d'appels récursifs à la fonction dichotomique, et au bout d'un nombre récursif d'appels, on aura conclu. À chaque fois, on divise par 2 la taille du tableau sur lequel on travaille. Donc au bout d'un nombre logarithmique d'appels, on sera revenu à une taille de 1 ou de 0, et donc on pourra conclure. Donc la recherche dichotomique, on a T de n égale grand O de log n, mais ça on l'a déterminé un petit peu à la main. Et on a cette formule de récurrence qui nous dit comment calculer T de n en fonction de grand O de en fonction de T de n sur 2. Alors, encore une fois, ne soyez pas trop gêné par l'hypothèse simplificatrice que n est une puissance de 2, qu'on a un petit peu négligé ce qui se passait si on traitait un cas à part au milieu. On va faire ces hypothèses simplificatrices dans le reste des exemples qu'on va prendre. Et encore une fois, ça ne change rien aux complexités finales. C'est juste l'analyse qui est un petit peu plus pénible à faire si on prend compte des parties entières qu'on a dû utiliser au fur et à mesure de l'algorithme. Donc, premier exemple, recherche dichotomique avec cette formule de récursion-là. Et c'est une formule qui va nous intéresser. Alors, plutôt que grand O de T de N sur 2, là, je peux me mettre T de N sur 2. En fait, c'est débile de mettre grand O de T de N sur 2. Grand O de T de N sur 2, ça suggérerait qu'on pourrait avoir plusieurs appels à... Enfin, qu'on a besoin de prendre plusieurs fois T de N sur 2. Mais non, on a besoin de prendre une seule fois T de N sur 2. Et tout le reste, c'est un grand O de 1. Donc, je vais aussi corriger dans ce que j'avais mis ici. On n'a pas de grand O, c'est T de N. Voilà, par contre, il y a une parenthèse fermante. Donc, on a cette formule de récurrence T de n, c'est un T de n sur 2 plus grand O de 1. Et bien, on va se souvenir de cette formule de récurrence pour la suite, parce qu'elle va nous être utile pour les. On va avoir une formule de récurrence pour tous les algorithmes qu'on va voir qui a cette formule-là, et on va utiliser cette formule de récurrence dans le résultat final qu'on va obtenir aujourd'hui, le théorème maître, pour déterminer un peu automatiquement quelle est la complexité finale de l'algorithme. Donc T de n, c'est un grand O de 1 plus T de n sur 2. Prenons maintenant un autre exemple, et on va prendre le problème de la multiplication matricielle. Alors, ce problème est le suivant. On se donne A, B, deux matrices carrées de taille n fois n. Et puis, comme avant, je vais faire l'hypothèse simplificatrice que n est une puissance de 2, ça va nous aider. Mais on pourrait faire le même développement en ne faisant pas cette hypothèse simplificatrice, c'est juste qu'il faudra faire une analyse plus précise avec des parties entières. Et on veut calculer C est égal à A fois B. Alors je vous rappelle, hein, comment est-ce que C est défini? Eh bien la case IJ de C, on peut la calculer en faisant somme de k égale 0 à n, 1 à n si j'indice entre 1 et n, les cases de la matrice, de aik bkj. Donc ça, c'est la définition de la multiplication matricielle. Donc chaque case de la matrice produit, on le calcule en faisant une somme de n termes qui sont les produits de deux termes de chacune des matrices d'origine. Donc ça, c'est la définition initiale, et ça nous donne un algorithme évident pour calculer le résultat de la multiplication matricielle, qui est, on énumère tous les i et j, donc ça donnerait quelque chose comme ça, donc algorithme direct.
Donc for i, je vais de 1 à n, for j, je vais de 1 à n, je définis une variable s qui est je mets à 0, je fais un for k de 1 à n, et dans s, je mets s plus a ik multiplié par bkj. Et ce s, en fait, ben, je peux déjà l'appeler son nom final qui sera cij. Voilà, et donc si je fais ça, eh bien je calcule exactement avec trois boucles imbriquées le résultat du produit matriciel. Donc cet algorithme direct, il se calcule avec de manière très simple, avec trois boucles imbriquées, avec des variables qui vont de 1 à n. Ben, évidemment, la complexité de cet algorithme, c'est un θ de n cube. Donc la question qu'on a sur la multiplication matricielle, c'est est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'il existe une manière plus efficace de calculer le produit de deux matrices de taille nn que l'approche qu'on a vue? Alors avant de savoir, de réfléchir à la question de si on peut faire mieux, on peut déjà se poser la question de quelle est la complexité minimale qu'on sait qu'on ne pourra pas, on sait qu'on pourra pas aller en deçà de cette complexité. Bien, on sait qu'une borne inférieure sur la complexité de la multiplication matricielle, du produit matriciel, alors quand c'est une borne inférieure, on va l'exprimer avec un grand oméga. On sait qu'une borne inférieure, c'est grand oméga de n carré. Ben, évidemment, parce que calculer un produit matriciel, ça consiste à produire une matrice qui a n carré cases. Donc il va falloir au moins n carré opérations pour affecter des valeurs à chacune des cases de la matrice résultant. Donc, le produit matriciel, de manière évidente, n'importe quel algorithme qui fait le produit matriciel, forcément, il aura une complexité au minimum de grand oméga de n carré, par un argument très simple. Et l'algorithme le plus évident qu'on puisse imaginer a une complexité de θ de n cube. Donc là, on a un gap entre n carré et n cube. Et ben, on s'intéresse à savoir s'il est possible d'avoir des algorithmes entre les deux. Alors il se trouve que oui, ça existe. Donc on va voir un exemple d'un tel algorithme. Et il se trouve aussi que c'est un problème compliqué, le problème de la multiplication matricielle. C'est un problème de recherche actuel. Le dernier algorithme, le meilleur algorithme qu'on connaît à ce jour pour la multiplication de deux matrices n, avec la meilleure complexité asymptotique, il date de 2014. Donc c'est vraiment très, très récent et il est fort probable que cet algorithme-là ne soit pas le meilleur qu'on puisse avoir, qu'il existe encore des algorithmes encore meilleurs que ça. Donc c'est pas un problème simple de trouver le meilleur algorithme pour résoudre pour calculer le produit matriciel. On ne va pas chercher le meilleur algorithme, on va juste chercher un algorithme qui soit un peu meilleur que l'algorithme direct. Alors, première idée qu'on peut avoir, c'est de faire du divisé pour régner de manière élémentaire. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, mes matrices A et B, je vais les réécrire comme des matrices par bloc, où je vais mettre des blocs A11, A12, A21, A22. Donc, j'écris ma matrice A, je l'écris comme une matrice avec quatre blocs qui sont chacune des matrices de taille n sur 2. Pareil pour ma matrice B. B11, B12, B21, B22. Et en fait, si j'écris maintenant la matrice résultat pareil comme une matrice bloc, C1, 1, C1, 2, C2, 1,
C'est de 2. Je peux exprimer la valeur de chaque bloc en termes des produits des blocs élémentaires, des produits de matrice des blocs élémentaires. Plus précisément, C1,1, c'est A1,1 fois B1,1 plus A1,2 fois B2,2. Alors, on peut s'en convaincre, hein, il suffit de regarder individuellement les équations. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on manipule des matrices par bloc, elles se comportent exactement de la même chose que si le bloc, c'était des valeurs élémentaires. Donc, si mes matrices étaient des matrices de 2, eh bien, ce que j'ai écrit ici, c'est 1,1 égale A1, B1, plus A1,2, B2,2, c'est la manière dont 2,1, pardon. J'ai écrit 2,2, mais c'est 2,1 ici. C'est la manière dont la valeur C1,1 est calculée, s'exprime. Eh bien, cela reste valable au niveau des blocs. Donc C1,2 égale donc A1,1 fois B1,2 plus A1,2 fois B2,2. C2,1, c'est A2,1 fois B1,1 plus A2,2 fois B2,1. C2,2, c'est A2,2, pardon, 2,1 fois B1,2 plus A2,2 fois B2,2. Donc je vous invite à vérifier par vous-même, hein, c'est juste des propriétés élémentaires des matrices, d'algèbre linéaire, on peut écrire les produits par bloc de cette manière-là. Donc là, on a en fait réussi à exprimer le calcul du produit matriciel de A par B comme un certain nombre d'opérations qu'on effectue sur le résultat de produits matriciels de matrices de taille n sur 2, n sur 2. Donc en termes de complexité, donc si on écrit ça comme un algorithme et si on calcule sa complexité, ben, en termes de complexité récursive, on va avoir un truc du type T de 1 égale grand O de 1. Bon. Et T de n, pour n différent de 1, ça va être quoi? Donc à nouveau, on fait l'hypothèse que n est une puissance de 2, donc quand on parle de n sur 2, n sur 2, c'est vraiment des matrices qui existent. Si on n'avait pas cette hypothèse-là, il faudrait sans doute mettre des bouts de matrices avec des zéros partout pour combler, pour que ça reste des matrices carrées qu'on obtienne quand on divise. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire comme opération? Je dois faire 8 produits matriciels de matrices plus petites. Donc 8 fois bah, la complexité de l'algorithme appliqué à des matrices de taille n sur 2. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Eh bien, je dois faire les additions qu'on a ici et qu'il ne faut pas oublier. Et donc ça, c'est des additions de matrices de taille n sur 2. Alors, c'est quoi la complexité d'additionner deux matrices de taille n? Eh bien là, ça se fait en temps quadratique. Pour chaque case de la matrice résultante, on additionne les deux cases correspondantes des matrices des matrices d'entrée. Donc, on doit faire quatre fois une opération qui est un grand état de n sur 2 au carré. Et plus éventuellement un grand O de 1 pour initialiser des choses, etc. Donc au final, on obtient une complexité qui est grand état de n sur 2 au carré. C'est la même chose que grand état de n carré. Donc cette approche récursive, elle a cette formule de récurrence-là qui donne sa complexité. Alors, on ne va pas résoudre cette formule de récurrence tout de suite, on ne va pas essayer de calculer tout de suite ce que ça fait. On va attendre un petit peu, on va voir comment on peut faire l'analyse. En attendant,
on va voir qu'il existe une approche qui est encore meilleure que celle-ci pour calculer le produit matriciel. Et cette approche s'appelle l'algorithme de Strassen, donc du nom du mathématicien ou de l'informaticien qui l'a proposé. Algorithme de Strassen. Alors, comment ça marche, l'algorithme de Strassen? Eh bien, alors, c'est un petit peu mystérieux, mais on va s'apercevoir, on décompose toujours nos matrices en des matrices blocs, avec 4 blocs de taille n sur 2, n sur 2, et on s'aperçoit que on peut définir un certain nombre de matrices, 7 précisément, en faisant des produits et on le définit de cette manière-là. Donc je définis 7 matrices par des produits sur les matrices élémentaires. M11, je l'écris comme A11 plus A22, B11 plus B22. La deuxième matrice, je l'écris comme A21 plus A22 multiplié par B11. La troisième, A11 multiplié par B12 moins B22. Alors, je ne les connais pas par cœur, évidemment, là je suis en train de les reprendre du livre de référence, mais ça ne s'invente pas, hein. C'est cette matrice, qu'on a définie, enfin si, ça s'invente, puisque Strassen l'a inventé, mais ça s'intuite pas immédiatement. M5, c'est A11 plus A12 multiplié par B22. M6, c'est A21 moins A11 multiplié par B11 plus B12. Et M7, finalement, c'est A12 moins A22 multiplié par B21 plus B22. Ok, donc on a défini, pour l'instant j'ai pas du tout expliqué ce que je faisais, j'ai juste défini 7 matrices intermédiaires M1 à M7 avec cette définition là. Alors dans les 7 cas, les matrices sont définies comme des produits de matrices de taille n sur 2. Donc on va avoir 7 produits de matrices de taille n sur 2 à calculer. Et les matrices de taille n sur 2 elles-mêmes sont des additions ou des différences de plus petites matrices. De matrice d'origine de taille n sur 2. Et qu'est-ce que je fais avec ces 7 matrices? Eh bien, je m'aperçois que ce qui m'intéresse, moi, c'est C11, C12, C21, C22. Je m'aperçois que ces 4 matrices, on peut les exprimer comme des additions des matrices M1 à M7. C11, par exemple, c'est M1 plus M4 moins M5. Plus M7. C12, c'est M3 plus M5. C21, c'est M2 plus M4. C22, c'est M1 moins M2 plus M3 plus M6. Voilà, c'est fini. Alors, je vous affirme ça, il faudrait peut-être vérifier que ça. Alors on va juste faire une des vérifications, et puis ensuite je vous laisserai vérifier les autres par vous-même. On va vérifier le premier cas, par exemple, est-ce que c'est vrai que C11, c'est M1 plus M4 moins M5 plus M7? Bien, alors on va calculer ce que fait M1 plus M4 moins M5 plus M7. Donc M1, c'est A11 plus A22, B11 plus B22. M4, c'est A22. Donc là, je suis en train de calculer ce que j'ai proposé comme définition pour C1. M4, c'est A22 multiplié par B21 moins B11. Moins M5, donc moins A11 plus A12 B22. Et enfin, plus M7, donc plus A12 moins A22, multiplié par B21 plus B22. Bon, on va développer tout ça et on va regarder si ça donne ce que doit donner C1. Alors,
Je fais le développement. Ça fait A1-1, B1-1, plus A1-1, B2-2, plus A2-2, B1-1, plus A2-2, B2-2, plus A2-2, B2-1, moins A2-2, B1-1, moins A1-1, B2-2, moins A1-2, B2-2, et enfin le dernier terme, plus A1-2, B2-1, plus A1-2, B2-2, moins A2-2, B2-1, moins A2-2, B2-2. Alors j'ai plein de choses, mais normalement il devrait y avoir des termes qui se simplifient je devrais conserver juste ce qui me reste. Alors je vais regarder. Par exemple, j'ai un A11 B22, mais j'ai aussi un moins A1 B22. Donc ces deux termes-là, ils s'annulent. Ensuite, j'ai un A22 B11, mais j'ai aussi un moins A22 B11. Ces deux termes-là s'annulent. Ensuite, j'ai un A22 B22, mais j'ai aussi tout à la fin un moins A22 B22. J'ai un A12 B21 en début de la troisième ligne, mais j'ai aussi un. Non, celui-là, je le veux, je le conserve. Ensuite, sur la troisième ligne, j'ai un A12 B22, mais j'ai aussi sur la deuxième ligne moins A12 B22. Donc ces deux termes-là s'annulent. Qu'est-ce qui me reste? Sur la deuxième ligne, il me reste A22 B21. Sur la troisième ligne, j'ai un moins A22 B21. Et donc la plupart des termes s'annulent. Il ne me reste plus que A11 B11 plus A12 B21. Et si vous vous souvenez, ça c'est la définition de C11, c'est la manière dont on peut calculer C11 en multipliant des matrices par bloc. Donc c'est bien ce qu'on veut. On a vérifié que l'expression M1 plus M4 moins M5 plus M7, ça revient bien à calculer C11. Donc là, on a déterminé, est-ce vrai que c'est un 1, ça vaut tout ça? Eh bien oui, c'est un 1, ça vaut tout ça. Donc je voulais vérifier que ça marche de la même manière pour C1-2, pour C2-1, pour C2-2. Bon. Alors ça a l'air beaucoup plus compliqué que l'algorithme par défaut, l'algorithme dichotomique naturel. Mais en fait, ça va permettre d'avoir une meilleure complexité. Pourquoi? Parce que faire les calculs qu'on a à faire ici, eh bien, on doit faire pas mal d'additions de matrices n sur 2, n sur 2. Donc ça, on en a, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 additions ou soustractions de matrices n sur 2 sur n sur 2. Mais donc ça donne du grand taux, ou même du grand état, de n carré, de calculer les additions et les soustractions qui apparaissent dans les produits des sommes. Et puis ensuite, il y a les produits, et donc les produits, c'est les appels récursifs. Il y en a combien de produits? Ben, il y en a 7, autant que de matrices qu'on a construites. Donc ça fait du plus 7 t de n sur 2. Donc là, je suis en train de calculer le temps d'exécution de l'algorithme de Strassen en termes du temps d'exécution des algorithmes de Strassen appliqués à des plus petites entrées. Maintenant, pour le calcul des CIJ, eh bien là, j'ai des additions et des soustractions à faire. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur des matrices de taille n sur 2. Et donc ça, c'est aussi un grand état de n carré. C'est 8 fois une fonction qui a un grand état de n carré appliqué à des matrices de taille n sur 2. Et donc au total, pour l'algorithme de Strassen, je vais avoir cette formule de récurrence, T de 1 égale un grand taux de 1, T de n égale à 7 fois T de n sur 2 plus grand état de n carré. Et donc si vous vous souvenez de l'algorithme dichotomique qu'on avait vu juste avant, on avait la même formule de récurrence, sauf qu'au lieu du 7, on avait un 8. Et donc, même si on n'a pas encore fait l'analyse de combien ça va faire, juste en regardant la formule de récurrence, on s'aperçoit que oui, la complexité de l'algorithme de Strassen devrait être meilleure, devrait être inférieure à la complexité de la recherche dichotomique.
Donc, on a vu trois algorithmes divisés pour régner, des algorithmes dans lesquels on commence par diviser le problème en sous-problèmes et on réécrit les problèmes. Et à chaque fois, on a eu des formules de récurrence. Donc, pour l'algorithme de Strassen, c'est celle-là. T de n, c'est 7 t de n sur 2 plus θ de n carré. Si je reviens en arrière, pour l'algorithme de multiplication matricielle simple, c'est t de n égale 8 fois t de n sur 2 plus θ de n carré. Et puis enfin, pour la recherche dichotomique, que j'ai mis ici, j'ai t de n égale t de n sur 2 plus grand O de 1. Donc tous ces algorithmes-là, on arrive à des formules de récurrence qui ont des formes un peu génériques. Donc forme de des récurrences. C'est à chaque fois pour un problème de petite taille, t de 1 ou t de 0, peu importe, grand O de 1. Et puis ensuite, pour un appliqué à la taille n, on a une certaine fonction, pardon, on a une certaine constante a fois le problème appliqué à des sous-problèmes, n divisé par, alors là on avait à chaque fois n divisé par 2, mais je peux généraliser ça en disant qu'on a un certain fonction b. Et puis ensuite, on avait une certaine fonction f de n, qui était θ de n carré, ou grand O de 1, ou quelque chose comme ça. Et donc les récurrences qui vont nous intéresser, c'est exactement les récurrences qui ont cette forme-là. Ok. Alors maintenant, on va essayer d'analyser la complexité des récurrences de ce type-là. On va revenir sur la recherche dichotomique. Donc la recherche dichotomique, je vous rappelle, c'est donc dichotomique. Maintenant, on va essayer de calculer dans une deuxième partie les donc deux analyses de la complexité. La recherche dichotomique, c'était T de n est égal à T de n sur 2. Donc là, petit a égale 1, petit b égale 2, plus un grand O de 1. Et je veux représenter ça comme sous la forme d'un arbre de récurrence. Je veux résoudre, je veux regarder T de n. Donc j'ai un problème de taille n. Je veux regarder quel est le temps. Alors je vais plutôt le faire autrement. Je vais le faire comme ça. Donc taille n. J'ai un grand O de 1 plus une occurrence d'un problème de taille n sur 2, où là j'aurai un grand O de 1 plus une occurrence d'un problème de taille n sur 4. Etc. etc. Et à la fin, j'arrive à un problème de taille 1, où j'ai un grand O de 1. Quelle est la complexité de ce problème-là? Eh bien, j'ai grand O de 1 plus grand O de 1 plus grand O de 1 plus grand O de 1 un certain nombre de fois. Et combien de fois exactement? Ben, j'ai log en base 2 de n fois grand O de 1. Donc, avec cette représentation, on voit tout de suite que T de n, pour la recherche dichotomique, c'est grand O de log n, comme on l'avait annoncé tout à l'heure. On a juste écrit sous la forme d'un arbre, mais là qui est juste une branche, il n'y a pas du tout du tout plusieurs fils à chaque nœud. La complexité d'un problème en fonction de ce dont on a besoin pour résoudre ce problème-là, plus les complexités des sous-problèmes. Donc là, juste en faisant la somme de combien d'éléments on doit ajouter, on obtient ceci. Bon. Très bien. Maintenant, faisons la même analyse pour la recherche dichotomique, pardon, pour la multiplication matricielle par dichotomie simple, celle où on avait matricielle divisée pour régner direct.
Celle où on avait cette formule-là, on avait t de n est égal à 8 fois t de n sur 2 plus un grand état de n carré. Bon, on dessine le même graphe. Hein. Pour la taille n, pour la taille n sur 2, pour la taille n sur 4, pour la taille 2, pour la taille 1, ben pour la taille n, j'ai grand état de n carré à faire tout de suite, et puis j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sous problème, dont chacun, j'ai un grand état de n sur 2 au carré. Et chacun a un 8 sous problème, dont la complexité c'est grand état de n sur 4 au carré, grand état de n sur 4 au carré, etc., etc., etc. Jusqu'à à ce qu'on arrive ici, où on a grand état de, alors là ça va être 2 au carré, donc ça va être un truc qui a l'air d'être une constante, mais on a besoin de matérialiser ça tout en bas. Donc là on en a plein. Et chacun a 8 fils avec des grands taux de 1. Grand taux de 1, grand taux de 1. Donc si on veut calculer la complexité totale, eh bien, il va falloir sommer les complexités de tout ce qui est mentionné ici. De θ de n carré, de θ de n sur 2 au carré, mais j'en ai 8. De θ de n sur 4 au carré, mais j'en ai 8 fois 8, 64, hein, etc. Et des grands taux de 1, mais j'en ai plein qui se trouvent tout en bas. Alors, on pourrait faire le calcul dans ce cas-là, rigoureusement faire l'addition. Plutôt que de faire le calcul dans le cas particulier de la recherche dichotomique, on va essayer de généraliser ça pour faire le calcul pour un arbre de récursion arbitraire. Et ça va nous amener au théorème maître. Donc, je reprends ma formule arbitraire. Ma formule générale, pardon, qui était t de n est égal à grand est égal à a t de n sur b plus une certaine fonction de n et puis t de 1 égale grand taux de 1. Alors à quoi va ressembler cette fois-ci l'arbre? Il ressemblait à ça. On a ici f de n. On a un certain nombre de branchements. Et le nombre de branchements, c'est a. À chaque branchement, on va avoir un f de n sur b. Qui ont un certain nombre de branchements. Et le nombre de branchements, c'est à nouveau a. À nouveau a. Ici, on a des f de n sur b2. F de n sur b2, etc., etc., avec un certain nombre de branchements, il y en a a, un certain nombre de branchements, il y en a a, et puis on descend tout en bas, on a des f de b. Alors, de la même manière que jusqu'à présent, j'avais supposé que je travaillais toujours avec des puissances de 2 pour simplifier, là, je vais supposer que je travaille toujours avec des puissances de b pour simplifier. Donc, quand je divise répétitivement par b, j'obtiens à un moment donné, juste avant la fin, j'obtiens b avec un certain nombre de fois, a fois, des appels à la couche du bas, et la couche du bas, j'ai des grands taux de 1. Et donc, ce que je veux, bah, c'est compter tous les f de quelque chose dans ce graphique, plus tous les grands taux de 1 qui sont en bas, et voir bah, combien il y en a.
Alors, j'ai mis des grands taux de 1 partout parce que quand on parle de grands taux de 1, enfin, ça veut dire que temps constant, c'est les grands θ de 1 aussi. On ne peut pas faire mieux que constant. Et là, ça va être pratique si je les vois comme des grands θ de 1 plutôt que comme des grands taux de 1. Un grand taux de 1, c'est aussi un grand θ de 1, puisqu'il faut forcément prendre un temps constant pour produire une valeur, pour proposer une valeur. On ne peut pas faire mieux que grand θ de 1. Donc, ici, il me reste à compter. Allons-y, essayons de compter qu'est-ce qui apparaît dans tout ce tableau-là. Alors, j'ai f de n plus a fois f de n sur b plus a carré fois f de n sur b2, pardon, a carré fois f de n sur b2, plus la ligne suivante que je ne vais pas représenter dans la figure, ce sera a cube f de n sur b3. On voit bien jusqu'où ça va aller là. Plus, au bout d'un certain nombre de fois, je vais avoir, donc c'est a puissance quelque chose que je vais mentionner, f n sur b puissance quelque chose. Alors ce quelque chose, c'est quoi? Eh bien, si je vais jusqu'à f de b, je vais avoir en fait ici log en base b de n moins 1. Si, donc là encore, b sur, excusez-moi, b, c'est égal à n sur b puissance log en base b de n moins 1. C'est facile à s'en apercevoir, hein. Si j'écris que n c'est b puissance, je sais pas moi, b puissance t, eh bien là j'ai b puissance t divisé log en base b de n, c'est t. Donc c'est b puissance t moins 1, ça c'est exactement b. Donc ce terme-là, b puissance log en base b de n moins 1, c'est le terme que je vais avoir pour la ligne. Je vais prendre une couleur pour identifier ça. Ce terme-là. Enfin, et aussi avec le A, tant qu'à faire. C'est le terme qui correspond à cette ligne-là. Et alors, il me manquait le coefficient sur le A. Eh bien, on voit dans l'analyse que le coefficient sur le A, c'est le même que le coefficient sur le B. Donc ça va être aussi log en base B de n moins 1. Voilà, là j'ai sommé tout ce que j'ai dans le tableau, dans l'arbre, pardon, tout ce que j'ai dans l'arbre jusque l'avant-dernière ligne. Et la dernière ligne maintenant, eh bien combien je vais avoir de nœuds sur la dernière ligne, combien je vais avoir de θ de 1 sur la dernière ligne, je vais avoir a puissance log en base b de n moins 1 fois, j'ai encore un degré supplémentaire, donc ça va faire a puissance log en base b de n, voilà, multiplié par θ de 1. Donc t de n, c'est égal à ceci. Là, on a sommé tout ce qui a participé au calcul de T de n. On a sommé tous les f de quelque chose qui apparaissait dans l'arbre, plus tous les θ de 1 qui apparaissaient dans l'arbre tout en bas sur sur les feuilles. Bon, ça, exprimons-le, réécrivons-le autrement. Ça va être la somme pour j allant de 0 à log en base b de n moins 1,
de A puissance J, F de N sur B puissance J. Plus, donc ça c'est tous les termes sauf le dernier. Et le dernier, c'est un grand état de n puissance log en base b de a. Bon, alors là, c'est un trick, une astuce habituelle sur le logarithme. A puissance log de x, c'est la même chose que x puissance log de a. Vous pouvez vous en convaincre parce que si vous vous souvenez de la division de x puissance y, x puissance y, c'est égal à l'exponentielle de y ln de x. Et donc ici, mon x, si je pose x égale a, et je vais plutôt le faire à l'envers. Donc si je pose y, oui non, je pose x égale a, et y égale log en base b de n. Donc j'ai exponentielle de y ln de x, mais y c'est log en base b de n, donc c'est ln de n sur ln de b fois ln de x est égal à exponentielle de ln de n fois, et le x, je dis que c'était a, ln de n fois ln de a sur ln de b, c'est log en base b de a. Et ça, c'est la même forme exponentielle de quelque chose, ln de quelque chose. Donc ça, c'est exactement n puissance log en base b de a. Donc à nouveau, j'avais a puissance log en base b de n, ben ça c'est la même chose que n puissance log en base b de a. J'ai essayé de vous en convaincre ici. A puissance de log en base b de n, c'est la même chose que n puissance log en base b de a. Ok, donc on a une expression pour t de n. Alors c'est une expression encore un peu compliquée qui fait intervenir d'une part une somme et d'autre part un θ de n puissance quelque chose. Donc ça a l'air un peu compliqué, mais on va voir ce qu'on peut faire avec. Alors avant, donc log en base b de a, je vais l'appeler c. On pose c égale n puissance, pardon, égale log en base b de a. Bien, ben maintenant je vais vous présenter l'énoncé du théorème maître. On va appliquer le théorème maître aux différents algorithmes récursifs qu'on a vus jusqu'à présent. On va voir ce que ça donne comme complexité. Et puis ensuite, on démontrera le théorème maître. Donc 3 théorèmes maîtres. C'est un nom un petit peu bizarre, hein, mais ça s'appelle le théorème maître dans l'analyse d'algorithmes récursifs. Master Theorem de l'analyse des théorèmes récursifs. Donc le théorème dit la chose suivante, théorème. On suppose qu'on a un algorithme tel que T de n est égal à la forme qu'on a vue jusqu'à présent, c'est-à-dire A T de n sur B plus F de n. Et on suppose que T de 1, c'est un grand O de 1. On pose C est égal à log en base B de A. Ça, c'est la même définition que je viens de poser. Alors, le théorème vous dit qu'il y a trois cas. Enfin, le théorème, plus exactement, permet de traiter trois cas. Il ne permet pas de traiter un cas qui n'est pas dans ces trois-là, mais il permet de traiter ces trois cas. Premier cas. Si
f de n est égal à un grand O de n puissance c', avec c' qui est strictement plus petit que c. Alors, donc ça c'est le premier cas, dans ce cas-là, le théorème maître vous dit que t de n, c'est un grand état de n puissance c. Deuxième cas. Si f de n est égal à un grand O de n puissance c, cette fois-ci avec le même c, alors, dans ce cas-là, t de n, ça va être un grand état de n puissance c log n. À nouveau, quand je mets un log dans un grand état ou un grand O, je ne précise pas la base parce que c'est toujours défini à une constante près de toute façon. Troisième cas, si f de n est égal à un grand oméga de n puissance c', avec c' qui est strictement plus grand que c. Et, on a besoin d'une condition supplémentaire, si a f de n sur b est inférieur ou égal à alpha f de n pour un certain alpha fixé qui doit être strictement plus grand que 1, et cette condition là doit être vraie pour n suffisamment grand, c'est à dire que peu importe ce qui se passe pour petit n, mais on regarde ce qui se passe pour n suffisamment grand, il n'y a rien d'étonnant à ça, puisqu'on est en train de faire de l'analyse asymptotique d'algorithme. Alors, dans ce troisième cas, t de n égale un grand état de f de n. Donc, le théorème maître vous donne trois cas qu'il est capable d'analyser. Le premier cas est le cas où la fonction f, je vous rappelle que la fonction f, c'est la fonction qui indique le nombre d'appels, c'est la fonction qui indique la complexité de ce qui n'est pas appel récursif. Donc le premier cas, c'est le cas où la fonction f, elle a une complexité qui est un grand O de n puissance c' pour c' inférieur à c, donc qui est relativement petite. Dans ce cas-là, le théorème maître vous dit que la complexité finale, grand T de n, c'est un θ de n puissance c. Où est-ce qu'on a déjà vu θ de n puissance c? Si on revient sur l'arbre de récursion, θ de n puissance c, il est là. Ça, cette partie-là, c'est θ de n puissance c. Et donc, le premier cas vous dit que si votre fonction, c'est une fonction qui n'est pas très grande, qui évolue de manière pas très grande, qui est en particulier un grand O de n puissance c' pour c' strictement inférieur à c, alors en fait, t de n va être dominé par ce grand état, ce qui est en rouge, par ce grand état de n puissance c. Le reste ne va pas avoir d'impact sur la complexité, le reste va être dominé par cette complexité-là. Le deuxième cas, c'est le cas où la fonction f, sa complexité, c'est justement n puissance c. Eh bien, si la fonction f, sa complexité, est justement n puissance c, on obtient que la complexité finale, t de n, c'est un grand état de n puissance c fois un facteur log n. Et le troisième cas, c'est le cas où la fonction f, donc cette fois-ci, elle est assez grande. Elle est un grand oméga de n puissance c' avec c' plus grand que c. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que, essentiellement, la complexité de cet algorithme est dominée complètement par ce qui se passe dans la fonction f et plus vraiment par ce qui se passe avec les appels récursifs. Donc, on va appliquer ce théorème tel quel aux trois dichotomies qu'on avait vues.
Et on va voir ce que ça donne comme résultat. Alors, on va commencer par la recherche dichotomique. Donc, je vais récupérer la complexité de la recherche dichotomique. On l'avait ici, pardon. Donc, la recherche dichotomique. J'ai appris depuis la semaine dernière à coller normalement, si voilà. Donc recherche dichotomique. Donc combien vaut A, combien vaut B, combien vaut C? Bien A, oui, je vais laisser en rouge. A, c'est égal à 1 ici. B, c'est égal à 2. Donc A, je vous rappelle que c'est est-ce qu'on a devant le T de n sur 2, devant l'appel récursif, combien de fois on a l'appel récursif? Ici on a un appel récursif. Et donc C, qui est le log en base 2 de 1, eh bien c'est 0. OK? Et f de n, c'est une fonction constante. Alors, dans quel cas on est? Et donc, n puissance c étant 0, c'est 1. N puissance c, c'est 1. Alors, est-ce qu'on est dans le premier cas? Le premier cas demande que f de n, c'est un n puissance c'. Alors, f de n, c'est bien un n puissance c' avec c' égal à 1, pardon, égal à 0, puisque f de n, c'est un grand taux de 1, donc on peut l'écrire comme un grand taux de n puissance 0. Mais est-ce que c' est strictement inférieur à c? Ben non, parce que 0 n'est pas strictement inférieur à 0. Donc on n'est pas dans le premier cas. Est-ce qu'on est dans le troisième cas? Le troisième cas, on aurait un grand oméga de n puissance c'. Ben là, le meilleur c' qu'on puisse prendre, c'est c' égale 0 à nouveau. Avec c' strictement plus grand que c, ben non, puisque c est égal à 0. Donc on n'est pas dans le troisième cas. Est-ce qu'on est dans le deuxième cas? Oui, on est dans le deuxième cas, puisque f de n, c'est grand taux de n puissance c. F de n, c'est bien grand taux de 1. Exactement ça. Donc on est vraiment exactement dans le deuxième cas. Et le théorème maître nous dit que T de n, c'est un grand état de n puissance c fois log n, n puissance c valant 1, log n. Donc T de n, ça donne grand état de log n. Bon, c'est la troisième fois qu'on redit ça, mais ça nous permet de vérifier que, au moins sur cet exemple-là, le théorème maître prédit bien la bonne complexité. Prenons l'exemple suivant, qui était la complexité de la dichotomie simple sur les matrices. Donc, je vais récupérer le résultat qu'on avait calculé, qui était là. Voilà. Donc, dans ce cas-là, combien vaut A, combien vaut B, combien vaut C? Eh bien, A est égal à 8. On a 8 appels récursifs. B est égal à 2. Les appels récursifs se font sur des instances de taille n sur 2. C'est donc log en base 2 de 8, c'est-à-dire 3, 2 puissance 8 égale 3. Et enfin, f de n, c'est un θ de n carré. Alors, regardons le théorème maître et regardons dans quel cas on est. On a f de n qui est un grand θ de n puissance 2.
Premier cas, f de n égale un grand taux, un grand état, c'est en partie un grand taux de n puissance c' égale 2, avec c' strictement inférieur à c. Est-ce que dans ce cas-là, oui, parce que 2 est strictement plus petit que 3. Donc, le théorème maître nous dit que t de n, c'est un grand état de n puissance c. Donc, t de n, c'est un grand état de n puissance 3. Donc, cette fois-ci, on a établi la complexité, en disant le théorème maître, de la méthode naïve de diviser pour régner sur des matrices. Ça donne t de n égale un grand état de n cube. Alors, est-ce que c'est bien ? Non, c'est pas très bien, parce que la méthode simple, directe de calcul de du produit matriciel, on avait vu qu'elle avait aussi une complexité de grand état de n cube, et elle était plus simple à écrire que le calcul qu'on a effectué en dichotomie. Donc, probablement que l'approche naïve divisée pour régner pour le produit matriciel, elle n'est pas spécialement intéressante. Maintenant, on va regarder le dernier algorithme qu'on a vu, l'algorithme de Strassen. Donc, l'algorithme de Strassen, on avait t de n égale 7 fois t de n sur 2 plus grand taux de n carré, enfin grand θ même de n carré, et t de 1 égale un grand taux de 1. Alors, combien vaut a, b, c, etc. Donc, ici, A, ça vaut 7, c'est le nombre d'appels récursifs. B, ça vaut 2, c'est la taille des instances sur lesquelles on fait des appels récursifs. C, c'est donc le log en base 2 de 7. Alors ça tombe pas juste, mais si vous prenez une calculatrice, vous verrez que le log en base 2 de 7, c'est de l'ordre de 2,807. C'est approximativement 2,807. Donc c'est quelque chose qui est entre 2 et 3. Strictement. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que f de n ? C'est θ de n carré. Donc, si on revient au théorème maître, on va être à nouveau dans le premier cas du théorème maître. Le cas, si f de n égale un grand taux de n puissance quelque chose, et là, le quelque chose, c'est 2, avec 2 strictement plus grand que log en base 2 de 7. Donc on est bien dans le premier cas, et donc le théorème maître nous dit que t de n, c'est un grand état de n puissance c, et donc t de n, dans ce cas-là, t de n, c'est un grand état de n puissance c, donc de n puissance log en base 2 de 7. D'après le théorème maître, et encore une fois, log en base 2 de 7, c'est quelque chose qui se trouve entre 2 et 3, qui est de l'ordre de 2,8. Et donc là, cette fois-ci, on a un algorithme qui est asymptotiquement plus efficace que l'algorithme direct de multiplication de matrices. C'était pas évident dès le départ qu'il pouvait y avoir un algorithme qui marchait mieux que la multiplication de matrices directes, mais là, on a un exemple, oui, on marche mieux que l'algorithme de multiplication directe. Bien. Alors, avant de prouver le théorème maître, avant de faire la démonstration du théorème maître, on va voir quelques remarques supplémentaires. Déjà sur la multiplication matricielle. Donc l'algorithme de Strassen a une complexité qui est de l'ordre de grand état de n puissance 2,8. En pratique, est-ce que c'est utile ? Oui, en pratique, sur des matrices de taille qui ne sont pas forcément gigantesques, mais si vous commencez à avoir plusieurs dizaines, centaines, n c'est de l'ordre de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines. Là, oui, l'algorithme de Strassen commence à, en pratique, être plus efficace que la multiplication directe. Si vous n'avez que des matrices très petites, si vous appliquez l'algorithme de Strassen sur des matrices 4-4, ça ne va pas vous aider, ça ne va pas être plus rapide que la multiplication classique. Alors, qu'est-ce que les chercheurs ont découvert d'autre sur l'algorithme de multiplication matricielle ? Il y a eu un certain nombre d'algorithmes sur les produits matriciels qui ont proposé des meilleures complexités pour les produits matriciels, meilleures que l'algorithme de Strassen. En 1990, il y a l'algorithme de Cooper-Smith Winograd, qui est
l'autre algorithme très connu sur la multiplication matricielle et qui a montré qu'on pouvait faire la multiplication matricielle avec un grand taux de n puissance et quelque chose qui est approximativement 2,375477. Donc passer de 2,8 à 2,38, c'est une amélioration assez significative de la complexité asymptotique. Ensuite, il y a eu des améliorations à ça. On est passé en 2010. Il a fallu attendre 2010. On est passé en 2010 à un n puissance 2,374. Alors, vous voyez que là, par contre, il n'y a pas eu énormément de différence entre 375, 4, 7, 7 et 374, mais c'est une différence. En 2011, il y a eu une amélioration à 2,372862. Et en 2014, le dernier algorithme par François Le Gall, ça donne du 2,372869. Donc vous voyez qu'entre 372.8642 et 372.8639, là on est vraiment à des pouillèmes d'amélioration de la complexité. Mais actuellement c'est ce qu'on connaît de meilleur en complexité asymptotique, l'algorithme qui date de 2014. Alors, est-ce que tous ces algorithmes, l'algorithme de Kupferspitz-Jungrad et puis les raffinements de l'algorithme de Kupferspitz-Jungrad qui ont réussi à améliorer un petit peu la complexité, sont utiles en pratique? Bah en fait non. Tous ces algorithmes-là, on verrait leur différence par rapport à l'algorithme de Strassen que sur des matrices de taille gigantesque. Et si on a des matrices de taille gigantesque, bah on a d'autres problèmes. C'est que ces matrices-là, elles ne vont pas tenir en mémoire. Et donc il faut les traiter de manière différente. On ne peut pas supposer qu'on va avoir un algorithme qu'on va appliquer sur ces algorithmes-là tels quels. Donc ces algorithmes ont un intérêt théorique, et c'est pas fini, hein. On peut encore trouver des algorithmes encore avec une complexité asymptotique encore plus basse, mais par contre Strassen a à la fois un intérêt théorique et un intérêt pratique. On peut se retrouver dans des situations où l'algorithme de Strassen est clairement plus efficace que la multiplication directe de matrices. Alors, quelques autres remarques. Quand je montre le théorème maître ici, avec les trois cas du théorème maître, donc le premier cas, c'est f de n avec grand taux de n puissance c' avec un c' strictement plus petit que c. Alors attention, ça couvre pas tous les cas où f de n c'est un grand où f de n c'est quelque chose de plus petit que n puissance c. Par exemple, si on avait f de n qui est égal à n puissance c divisé par log n, c'est une fonction qui croît de manière plus faible que la fonction n puissance c. Donc c'est un grand taux de n puissance c. Je m'aperçois que dans le deuxième cas, ça devrait être un θ, sinon ça ne marche pas. Donc la fonction, si on avait grand n puissance c sur log n, on ne serait pas dans le premier cas parce qu'on ne peut pas trouver un c' plus petit que c tel que n puissance c sur log n, c'est un grand taux de n puissance c'. Et on n'est pas non plus dans le deuxième cas parce que le deuxième cas demande, c'est ce que je viens de corriger, à ce qu'on soit un grand θ de n puissance c et pas un grand taux de n puissance c. Et on n'est pas non plus dans le troisième cas qui demande un c' plus grand que c. Donc il y a certaines fonctions, si on a une récurrence avec des fonctions qui ne tombent pas, on peut avoir des récurrences avec des fonctions qui ne tombent pas dans une des trois cases. Alors il y a en particulier un cas assez classique qui est le cas où f de n c'est un grand θ de n puissance c log n. Donc c'est pas n puissance c mais c'est un truc un peu plus grand que n puissance c. Dans ce cas-là, en fait, il existe une généralisation du deuxième cas, mais qu'on ne va pas faire, parce que ça demanderait un peu trop de travail à démontrer, qui dirait que dans ce cas-là, t de n, c'est n puissance c log carré de n. En fait, quand on a n puissance c log une certaine puissance de n, on ajoute une puissance de n à la complexité pour obtenir t de n. Mais je vais pas montrer ça, je m'arrêter à ce qui est montré ici. Donc ces trois cas ne sont pas une trichotomie, c'est-à-dire qu'ils partitionnent pas l'espace de toutes les fonctions définies récursivement. Il y a des cas qui ne sont gérés par aucun de ces trois cas. Mais bon, il y a plein de cas aussi qui sont gérés par ces trois cas.
Pour la démonstration qu'on va faire, on va faire l'hypothèse que n est une puissance de b, de manière qu'à chaque fois qu'on divise par b, tout se passe bien. En pratique, ce n'est pas une hypothèse nécessaire. En pratique, on peut s'en passer, mais il faut faire l'analyse de manière fine. L'analyse est faite dans le livre de référence, si vous le voulez. Donc, le théorème-maître n'impose pas que n soit une puissance de b. Par contre, dans l'analyse qu'on va faire, nous, on va supposer que n est une puissance de b. Ça va être plus facile à prouver. Il y a une généralisation du théorème maître qui s'appelle le théorème, enfin je suis pas sûr qu'on dise vraiment le théorème d'Akrabasi. Et la différence principale entre le théorème maître et le théorème Akrabasi, c'est que le théorème maître suppose que quand on découpe un problème en sous-problèmes, les sous-problèmes ont toujours la même taille. On découpe le problème en deux, par exemple, et on va traiter indépendamment les deux parties du problème. Le théorème d'Akrabasi suppose qu'on peut découper en parties de taille inégale, par exemple je découpe en un tiers, deux tiers, et qu'on va appliquer récursivement du côté un tiers et du côté deux tiers, par exemple. Et donc ça, c'est pas un truc qui est couvert par le théorème maître, mais qu'on peut faire avec des techniques très similaires d'analyse de l'arbre de récursion avec le théorème d'Akrabasi. Donc quand on découpe en taille inégale. Voilà, mais il ne nous reste plus qu'à montrer ce théorème maître. Alors, pour montrer ce théorème maître, on va revenir à l'analyse de l'arbre qu'on avait fait tout à l'heure. On avait fait cette analyse ici, et on avait obtenu que... Donc, je vais copier ça. On avait obtenu que T de n, c'était égal à tout ça. Non, je copie des trucs en plus, mais je les effacerai. Voilà. Donc, preuve du théorème maître. Voilà. Non, je vais juste effacer la ligne rouge et les choses qui étaient au-dessus. Donc, on avait fait cette analyse en regardant l'arbre de récursivité et on avait vu que T de n c'était égal à la somme pour j allant de 0 à log en base b de n moins 1 de a puissance j, f de n sur b puissance j, plus un grand état de n puissance log en base b de a, et ça, on l'avait appelé c. Log puissance b de a, on l'avait appelé c. Donc je remets entre parenthèses, c, c'est défini comme log puissance b de a. Ok. Eh bien, on va analyser dans les trois cas ce que donne cette formule, et dans les trois cas, on va réussir à obtenir les propriétés du théorème maître. Donc j'appelle ça G de n. G de n, j'appelle ça la première partie, parce que souvent, je vais avoir besoin d'analyser indépendamment la première partie de la partie θ de n puissance c. Donc, je prends le premier cas du théorème maître. Le premier cas du théorème maître, on suppose que f de n, c'est un grand taux de n puissance c', avec c' qui est égal, qui est strictement plus grand que c, pardon. Et ce qu'on veut prouver, on montre que t de n, dans ce cas-là, donc le premier cas, c'est θ de n puissance c, c'est-à-dire que le premier terme, g de n, est complètement dominé par le deuxième terme. Alors, je vais écrire comme c', c'est un strictement plus grand que c, on pose c est égal à c' plus epsilon, avec un petit epsilon strictement positif. C'est pratique de voir ça comme ça. Très bien. Et ben maintenant, on écrit g de n. Je vais essayer de calculer ce que vaut g de n.
Donc G de n, c'est la somme de j égale 0 à log en base b de n moins 1 de a puissance j. Et f de n sur b puissance j, je sais que c'est un grand taux de n sur b puissance j à la puissance c'. Voilà. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais passer le grand taux à l'extérieur, puisque tout ça c'est linéaire, et donc la somme de fonctions qui sont des grands taux, ça reste des fonctions qui sont des grands taux. Donc j'obtiens somme pour j égale 0 à log en base b de n moins 1 de a puissance j, n sur b puissance j à la puissance c', c'est-à-dire c plus epsilon. Non, je voulais écrire c moins epsilon. C'est c moins epsilon, pardon. Puisque c, c prime plus epsilon. Ok. Alors, je vais toujours travailler à l'intérieur du grand taux. Ça va me donner grand taux de quoi? Alors, j'ai déjà un n puissance c qui sort. J'ai un n puissance c en facteur qui sort. Puis j'ai un somme de j égale 0 à log en base b de n-1, de a sur b puissance c à la puissance j, et b puissance j epsilon. Et c'est n puissance c moins epsilon ici. Donc je fais sortir le n puissance c moins epsilon, le n puissance c prime, je mets tout en bas, tout devant la somme, puisqu'il dépend pas de j. A puissance j, je conserve. Le b puissance c moins epsilon, il est à la puissance j. Donc ça donne en fait du b puissance c la puissance j moins b puissance j epsilon. Et comme il est au dénominateur, j'ai un b puissance j epsilon qui se trouve à droite. Bon. Mais b puissance c, c'est quoi? Eh bien, c, c'est log en base b de a. Si je passe à la puissance b des deux côtés, ça me donne b puissance c égale a. Donc b puissance c égale a, a sur b puissance c, c'est 1. Et donc j'obtiens grand taux de n puissance c prime, c'est moins epsilon, c'est c prime, somme pour j allant de 0 à log en base b de n moins 1, de b puissance epsilon à la puissance j. Bon, bah, j'obtiens un truc qui est assez simple, qui est la somme d'une n puissance c prime fois la somme d'une suite géométrique. Donc je peux calculer ce que ça vaut. Ça vaut grand taux de n puissance c prime. Et alors c'est quoi cette suite géométrique, le terme exprimant la somme, c'est b puissance epsilon avec le dernier terme plus 1, donc ça fait log en base b de n moins 1 sur b moins epsilon. Ok. Bon, je vais faire le même trick que tout à l'heure. Si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, j'avais eu un y puissance quelque chose log en base b de n, et j'avais inversé le n et le y. Donc c'est exactement ce que je vais faire, ici. Et donc, j'obtiens quoi ? J'obtiens grand taux de n puissance c prime. C'est b puissance epsilon moins 1. Je ne sais pas pourquoi j'écris b moins epsilon, c'est b puissance epsilon moins 1. Puisque c'est le terme du produit. B puissance epsilon moins 1. Donc b puissance epsilon moins 1, déjà un truc, c'est que c'est une constante. C'est un truc qui ne dépend pas de n, donc je peux l'oublier dans le grand taux. Et ensuite, mon b puissance epsilon log en base b de n,
Ça me donne quoi? Ça me donne du fois n puissance epsilon log en base b de b. Et puis moins 1. Voilà. Et alors, log en base b de b, c'est évidemment 1. Donc j'ai du n puissance c' fois n puissance epsilon moins 1. Donc ça, c'est un grand taux de n puissance c' plus epsilon. Et c' plus epsilon, par définition, c'est égal à c. Donc j'obtiens grand taux de n puissance c. G de n est un grand taux de n puissance c. Bah maintenant, t de n, c'est g de n plus un θ de n puissance c. Un grand taux de n puissance c plus un θ de n puissance c, c'est un θ de n puissance c. On est dominé par le deuxième terme. Et donc, on a bien montré que t de n, c'était θ de n puissance c, ce qu'on voulait démontrer. Donc voilà pour le premier cas. Regardons ensemble maintenant le deuxième cas. Donc le deuxième cas, on fait l'hypothèse que f de n, c'est un θ de n puissance c. Et on veut montrer que t de n, c'est un θ de n puissance c log n. Ok, alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va à nouveau regarder. Donc on a T de n qui était égal à G de n qui est la somme plus un θ de n puissance c. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est on va montrer que G de n c'est un θ de n puissance c log n. Et une fois qu'on aura montré ça, ça suffira puisque le θ de n puissance c cette fois-ci va être dominé par le G de n. Donc on va écrire bah, qu'est-ce que c'est que g de n dans ces cas-là. Donc g de n, c'est la somme pour j allant de 0 à log en base b de n moins 1 de a puissance j f de n sur b puissance j. Donc ça c'est la définition de g de n. Et donc maintenant on va utiliser le grand état. Donc je le fais sortir le grand état. Et des sommes de j égale 0 à log en base b de n moins 1, a puissance j, n puissance c divisé par b puissance j à la puissance c. À nouveau, je vous rappelle, a sur b puissance c, c'est 1. B puissance c, c'est 1. Et donc, du coup, j'obtiens θ de n puissance c, que je fais sortir de la somme, fois somme de j égale 0 à log en base b de n moins 1, de a sur b puissance c à la puissance j. Et donc ça, je viens de le dire, a sur b puissance c, c'est égal à 1. Et donc j'ai une somme de 1, donc je compte juste le nombre d'éléments dans ma somme, c'est n puissance c fois le nombre d'éléments dans ma somme, c'est-à-dire log en base b de n. Ce qui est exactement ce que je voulais démontrer. Il ne nous reste plus que le troisième cas. Et donc le troisième cas, c'est on suppose que f de n, c'est égal à un oméga de n puissance c' avec c' qui est strictement plus grand que c. Et on suppose aussi, et on a une deuxième hypothèse, donc c'est très important le troisième cas, on a une hypothèse supplémentaire. On suppose aussi que a de f de n sur b, c'est inférieur ou égal à alpha de f de n pour un certain alpha strictement plus petit que 1, pour n suffisamment grand.
Alors, regardons un petit peu ce A f de n sur b est inférieur ou égal à alpha de f de n. Est-ce que je peux dire des choses si au lieu de A, j'ai A puissance j de f de n sur b puissance j? Ben, j'applique cette inégalité en posant n égale n sur b puissance j moins 1. Et donc ça me donne f de n sur b puissance j moins 1, a puissance j moins 1, alpha. Si je continue, ça me donne a puissance j moins 2, alpha carré, f de n sur b puissance j moins 2. Etc, etc. Et donc j'obtiens au final que j'ai a puissance, pardon, alpha puissance j, f de n. Donc en utilisant la relation a fn sur b est inférieur ou égal à alpha de f de n, et en appliquant répétitivement cette relation, j'ai aussi que a puissance j f de n sur b puissance j, c'est plus petit que alpha puissance j f de n. Bon, bah, je vais injecter ça dans la définition de gn. G de n, c'est la somme pour j allant de 0 à log en base b de n moins 1 de a puissance j f de n sur b puissance j. Et donc, en appliquant cette inégalité, alors, cette inégalité est vraie pour n suffisamment grand, mais comme après, je vais avoir besoin juste d'un équivalent asymptotique, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que j'ai une somme pour j égale 0 à log en base b de n moins 1 de alpha puissance j f de n. Donc, on peut voir que le f de n, il sort de la somme, il n'est pas dépendant de j. Et donc j'obtiens une certaine somme f de n. Alors, ce que je peux faire, c'est que c'est une somme qui converge, alpha est strictement plus petit que 1. Donc je peux aller, si je veux, jusqu'à plus l'infini, au lieu d'aller juste de prendre juste les log bn premier terme. Voilà. Et alors, je vais passer, mais donc je me souviens de ceci. Donc j'avais cette formule-là. Somme pour j égale 0 à plus l'infini de alpha puissance j f de n. Et bien ceci, c'est égal à, donc là j'ai la limite d'une série géométrique, ça me donne 1 sur 1 moins alpha fois f de n. Si vous voulez, vous pouvez voir ça en utilisant le ce qu'on a utilisé jusqu'à présent, la somme de la suite géométrique, où on a un plus 1 moins 1 essentiellement sur le produit, le terme alpha moins 1, et là un plus 1 ça tend vers 0 quand n tend vers plus infini, puisque alpha est strictement plus petit que 1, et donc ça donne du 1 sur 1 moins alpha. Ok, et f de n, qu'est-ce qu'on sait de f de n? Eh bien on sait que f de n c'est un grand oméga de n puissance c. 1 sur 1 moins alpha, c'est une constante. Je passe en grand oméga, je peux me débarrasser des constantes. Donc, j'obtiens directement grand oméga de n puissance, pardon, de n puissance c prime, avec donc c prime qui est strictement plus grand que c. Alors, l'inégalité n'était vraie que pour n suffisamment grand, mais comme de toute façon, là, je prends un grand oméga, c'est aussi vrai que pour n, que pour n suffisamment grand. Donc, il suffit que je prends le n maximum des deux cas et tout va bien marcher.
Donc, qu'est-ce que j'ai obtenu du coup? D'où g de n égale grand oméga de n puissance c prime. Et je sais que t de n, c'est g de n plus un θ de n puissance c. Mais n puissance c prime, avec c prime strictement plus grand que c, c'est, ça domine n puissance c. Donc t de n, c'est un grand taux de g de n. Et un grand taux de g de n, bah, g de n, je l'ai exprimé comme quelque chose qui était plus petit, inférieur ou égal à 1 sur 1 moins alpha f de n. Donc c'est aussi un grand taux de f de n. Ce qui était ce qu'on voulait montrer, ce qui conclut donc le troisième cas. Donc ensemble, les trois cas du théorème maître nous permettent de résoudre un certain nombre de récurrences qui apparaissent régulièrement dans les problèmes qu'on résout par diviser pour régner. Donc le théorème maître ne résout pas tous les cas, on n'a pas la solution de tous les cas, mais on est souvent dans un des trois cas du théorème maître, ou éventuellement dans le cas 2' dont j'ai parlé tout à l'heure, où on a θ de n puissance c log puissance k de n, et on obtient t de n égale θ de n puissance c log puissance k plus 1 de n. Mais donc c'est une variante un petit peu plus compliquée à démontrer. Et donc cet outil nous aide vraiment beaucoup à montrer les résultats. Maintenant, il ne faut pas voir ça comme une formule magique. Le théorème maître, on vient de le démontrer, et la démonstration repose sur l'analyse qu'on a faite de l'arbre de récurrence de la formule de récurrence. Donc à partir de la formule de récurrence, on construit un arbre de récurrence, on compte le nombre de fois où on a des f de n, des f de n sur b puissance quelque chose, et le nombre de fois où on a des θ de 1 tout en bas de l'arbre. C'est l'analyse qu'on a faite ici, c'est ce qui nous a donné que t de n, c'était la somme des a puissance j, f de n sur b puissance j, plus un θ de n puissance log b de a. Et le théorème maître consiste juste à analyser ce que donne cette somme pour des fonctions f différentes. Mais si on a une fonction f plus compliquée, on peut toujours se ramener à cette somme-là, plutôt que d'appliquer directement le théorème maître, qui nous donnera des outils pour trouver le terme général de la récurrence. Ok, donc on a vu le principe divisé pour régner, où on exploite l'optimalité des sous-structures mais on n'a pas la possibilité d'exploiter des sous-problèmes répétés comme ce qu'on fait en programmation dynamique. Pour un certain nombre de problèmes, ça nous accélère le temps de calcul. Donc on a vu la recherche dichotomique où on a un grand taux de log n. On a vu l'algorithme de Strassen qui donne du n puissance log en base 2 de 7, qui est meilleur que n puissance 3. On verra d'autres exemples dans d'autres cours, en particulier quand on verra les algorithmes de tri, on réutilisera le théorème maître pour analyser la performance de certains algorithmes de tri. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette semaine, il y aura aussi sur le Moodle la publication des sujets de projet, et je vous enverrai les instructions sur comment choisir votre sujet de projet. Bonne semaine.